J'ai frappé sur le tonfa pour pas lui faire mal à la main, mais normalement c'est sur la main que j'attaquerai. Donc tu lâches ton truc. Et maintenant je vais faire côté geshi avec le tonfa. Donc là déjà je vais casser le poignet. Et je vais le contrôler au sol en appuyant sur le petit réchauffeur numéro 11. Voilà. Je l'amène au sol. Et là je contrôle debout. Voilà. Pour l'instant on va aller jusque là. Après on va compliquer un petit peu. Donc, esquive, frappe, côté geshi, contrôle tout de suite pour le mettre en avant. Voilà. Et là, je contrôle. Voilà. Donc maintenant, je vais attaquer l'autre bras. Imaginons que mon partenaire se rapprochait à une barre de bistrot et à la voiture. Je vais m'essayer de crocheter le bras. D'accord? Donc je crochète et l'autre main vient ici. Et là, c'est la main gauche qui va venir faire la clé. Et pour le contrôler, je vais venir prendre le menton et le contrôler ici. Et là, je l'emmène où je veux. On refait doucement. 1, 2. Avec la poignée, je replie son bras sur le point cœur 2, cœur 3. Ici, j'ai ma clé. Et pour plus de force, je contrôle ici et je vais.